Chaque dimanche une surprise, chaque dimanche un cache une autre. Et toute l'équipe accueille avec beaucoup de fierté, de bonheur, qui est même consacré cette émission, bien sûr, dédicacée à l'honneur de la femme, particulièrement, bien sûr, elle vient de franchir dans le seuil de la porte de Radio Galère. Une grande première Marseille, sa première visite, marche dans une semaine, on l'a préparée, mais en espérant, bien sûr, que les grandes dames, bien sûr, seront à la hauteur de même l'ambiance, même pour cette période de mois de carême. Bon mois de carême à tout le monde, donc au sein de l'amour saint. Voilà, donc je vous rappelle donc cette grande dame qui est une étoile, qui est vraiment une vedette, une star au Sénégal, et c'est une grande fierté pour les femmes, c'est une grande fierté pour le Sénégal en elle-même. Et valez la parole à la diaspora, et en tout cas, cette visite pour la diaspora sénégalaise à Marseille, c'est un grand plaisir. Alors, elle a trois émissions en Radio TV, Kölgi. Ikioli Ikioli est femme africaine moderne, nous on l'appelle aussi FBI, femme intelligente moderne, et ça valait la peine d'associer, aujourd'hui on le sait, dans toutes les grandes Paris, qu'il soit religieux, que ce soit politique, il y a des grands temps se cachent une femme. On va lui saluer et nous remercions bien sûr le concours de son mari qu'on vient de faire connaissance. Et au studio, nous avons vraiment la présentatrice de Cannes, notre grande dame de Cannes, Mariama Diakhaté. Et qu'on ne veut plus le présenter parce qu'on le reçoit beaucoup à l'antenne. Et il y a aussi Fatma Touba de la Souda. C'est un grand plaisir. Et bien sûr, on a aussi notre fille qui est venue accompagner bien sûr sa maman, Mariam Diakhaté. Voilà, nous allons commencer l'émission en beauté. Et pour vous rappeler combien Marseille aussi, ville cosmopolite, lieu d'échange, dans cette ville de Marseille aussi, bon vivre ensemble. Nous allons dire bonjour à Mayam. Bonjour Mayam, Jam. Dit Madame Vienne. Ouais, bienvenue bonjour. À Marseille. Merci beaucoup, Momodou. Prenez le micro. Bonjour, Momodou. Voilà, bonjour pour le micro. À tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement dans Galère FM. Nous sommes très heureuses d'être parmi eux aujourd'hui. Ce fut un plaisir de venir découvrir les Sénégalais qui sont ici à Marseille, mais aussi vos téléspectateurs, vos auditeurs qui vous écoutent actuellement dans Galère FM. En tout cas, Mayan, je pense que beaucoup de femmes, beaucoup comme notre amie Lamine Diakhaté, sont très passionnées de ce que vous faites, vous réalisez du savoir-faire de la femme d'aujourd'hui, même si on avait beaucoup de respect à nos femmes d'hier, mais la femme d'aujourd'hui, elle est active,
elle est actuellement vraiment active dans toutes les sociétés. Elle, sa réponse permanente en est la preuve de votre démonstration à ces émissions. Dites, est-ce que c'est la première fois que vous visitez Marseille? C'est la première fois que je visite Marseille, bien évidemment. Et quels sont les premiers contacts que vous avez réalisés? Vous pensez que Marseille, c'est un lieu vraiment d'accueil très chaleureux? Vraiment, c'est un lieu d'accueil vraiment chaleureux. Dans la mesure où je suis venue ce matin à 11h08, on a trouvé des gens qui sont venus nous accueillir. Et on est bien installés pour le moment. On attendra la suite. En tout cas, pour cette journée de dimanche sur Radio-Canada 88.4 MHz de la bande FM sur Marseille, bien sûr, 04-91-08-28-15, nous le devons aussi à la marraine, à votre ami, à Soussi Maga, et qui tenait beaucoup à réaliser cette journée de surprise. Mm-hmm. Et nous remercions Fat ici, qui est votre diatrie, qui vous a accueilli très chaleureusement. Ouais. Ouais. Et nous nous excusons, bien sûr, auprès d'Aminata, qui est très fatiguée, qui parle 4-5 langues, et c'est la femme de l'être, donc Aminata Diouf. Un point de rétablissement en souhaitant donc qu'il sera à la partie avec nous, à partir de 29, c'est chez Assou Simaga. Donc nous saluons Awaba et Amin Tepa, et qui sont tous en duplex avec nous de Marseille partout dans le monde. Donc dans quelques instants, nous allons prendre Haki déjà pour démarrer, parce que nous avons déjà une femme depuis Nice qui voudrait tout simplement entendre votre voix. Et de là, je pense que mériterait de présenter d'abord nos invités sur place et de saluer et d'encourager aussi bien sûr, Simaga, pour les amis. Oui. Donc, prochainement, on peut encore des émissions encore plus larges. Ouais. Voilà. Allô? 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 Oui, allô? Oui, Haki? Oui. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir depuis Nice. Allô? Voilà. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro et si les conditions sont réunies? Depuis Nice, donc, vous nous appelez, vous aurez assisté donc, à cette journée pour rencontrer cette grande dame, cette vedette, Madame Bayan Tiam Diel. Et aujourd'hui, elle a franchi, elle est à Marseille, une grande première. Quel est le premier mot qui vous échappe quand vous écoutez, quand vous regardez cette émission de ZTV? Ouais. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Je vous écoute, madame Haki. Bonjour, madame. Bonjour, Haki. Je m'appelle madame Anne, je m'appelle Haki. Madame Anne, comment vous allez? Allez-vous? Ça va, merci, alhamdoulilah. Et Anis? La bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis assistante de vie à Nice. Oui. Je présente les femmes de la diaspora de la PR de Nice. Ah, merci, ça fait plaisir de faire votre connaissance. Ah, je suis très contente de vous recevoir et de parler avec vous. Tout le plaisir est pour moi. C'est bien que toute la diaspora est très contente et très fière de vous, Maya. Ah, merci beaucoup, madame Haki. À travers de la société, vous ne mélangez aucun effort de ce que vous faites et de ce que vous participez. C'est notre devoir. Regarde par la télé. C'est le devoir. Ah, je salue aussi le plateau. Oui. Ils sont au plateau. Et je salue Mamoudou Ndiaye. Mamoudou Ndiaye, oui. Donc, la diaspora. Il fait beaucoup pour nous, c'est pour le Sénégal. Ah oui, ça je vois. On est très fiers de lui, qu'il nous accompagne, qu'il nous suit partout, qu'il nous dédique, qu'il nous conseille. Merci. Merci beaucoup, madame Haki. Merci Haki depuis Nice, merci beaucoup. Bien, tous les Niçois et les Niçoises, je vous salue et vous encourage, vous félicite. Merci beaucoup, madame Haki. Vous êtes bonjour de vous recevoir à Nice aussi. Non, tout le plaisir est pour moi. Et merci d'avoir participé à l'émission. Merci, madame. Merci, bon après-midi. J'espère que prochainement, donc, il sera à Nice. Donc, il sera là, si vous le désirez. Merci, Haki. Bye bye. Au revoir. Voilà, donc, bonjour, Mariama. Bonjour, Mariama. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis vraiment très très heureuse d'être là avec Bayan, avec vous, avec Dele Fatoumata et le mari de Bayan. Vraiment, et tous les collègues de travail qui sont avec vous, qui fait un travail remarquable tous les jours que Dieu fait, et vous nous aidez vraiment énormément, nous les Sénégalais, quand nous vivons à l'extérieur de notre pays. On sait votre travail pour nous, parce que vous nous aidez, vous nous guidez, vous nous essayez toujours de nous permettre aller l'avant, de voir vraiment tout ce qui se passe dans le pays, que nous, nous devons aussi savoir et voir ce qu'on peut faire pour participer, parce que nous aimons notre pays, et c'est dans ce sens-là même qui fait qu'actuellement, Sokhna Bayan est là avec nous, et on le voit à travers de la télé, et tout le bien qu'il fait, vraiment, grand merci. On nous souhaitons de tout notre cœur, Dieu Tout-Puissant, qui vous protège, qui vous donne la force, qui vous donne vraiment le bien, pour que tu arrives à faire tout ce que tu as envie de faire, parce que nous savons que vous aimez vraiment ce que vous faites pour les gens, que Dieu vous le rend, parce que vous le méritez. En tout cas, bienvenue à Marseille, et nous sommes vraiment très heureuses de vous recevoir. Merci, c'est tout le plaisir pour moi. Voilà, merci. Voilà, Fatma Teba, donc Adjaran, merci pour le déplacement, voilà le déplacement. Et malgré que cette émission, vous avez tous participé, et je vous rappelle donc Grand Dame du Sud, et on l'a intitulé comme ça, parce que son rêve c'est de rencontrer Assoufi Maga, Fatissi, tous les grandes dames de Marseille, tous les grandes dames de Cannes, de Nice, de Bandol, etc., etc., que pour ne pas les citer, et Aix-en-Provence. Aujourd'hui, donc, pour la première fois, vous êtes au studio, grâce à cette visite de Bayan. Fatma Teba, quel est le premier mot qui t'échappe? Et pour éventuellement saluer le bienvenu de cette grande vedette, l'étoile montante Bayan Thiam. J'espère que Bayan va comprendre un peu Poulard parce que je vais parler en Poulard. c'est normal, mon directeur est en Poulard. Donc, forcément. Donc, Mintchalmina Bayan et Mintara Thiam, pour Bandra, le Sénégal, le Bandra, et Mintchalmina Mintara Thiam, pour une épice, mon roi et Marseille. Et bien, mon fils, il est là. Et Mintchalmina, une mission Bayan Wadaro. Je suis un peu plus de temps. Non, mais il y a une belle émission. Merci. Car je suis en train de émission. Et je ne sais pas si je suis en train de faire une émission. Je ne sais pas si je suis en train de faire une émission. Je ne sais pas si je suis en train de faire une émission. Je ne sais pas si je suis en train de faire une émission. Je ne sais pas si je suis en train de faire Amen. Oui, salut, je suis Sambanyang ABK. Ah, bonjour, monsieur Sambanyang, son excellence. Comment ça va? Vous avez la famille? Ça va très bien, je salue tous les bénéfices qui sont en place. Je vais être avec vous, Amina Teba, avec son âme de l'État. Oui. Je suis ABK, je ne suis que avec vous. Je suis un peu plus de travail.
C'est très gentil. Alors, je te recommande de souffler à Macky Sall son retour pour Mme Bayang Tian, de lui décorer, de lui faire une belle décoration. Voilà, de cette visite auprès de la diaspora. Et d'abord, une grande dame qui réalise à titre éducatif dans cette émission, je pense, mérite d'être décorée par le chef d'État. Dédié à la diaspora et par tout court, par moderne, par africaine, très moderne, et de son intérieur, donc on appelle ça l'Institut pédagogique. Donc en tout cas, je vous remercie bien de choses à toute la grande famille au Sénégal, et bon retour aussi à Cannes, à la ville Cannes, la ville chargée d'histoire. Voilà, on te remercie, on te dit bon après-midi. Voilà, merci, merci beaucoup. Voilà, donc on aura dit du prince aussi, du prince pour aller au Bayern, donc on a toujours là dans le temps, mais j'ai laissé mon chroniqueur de l'amitié de travailler sur d'abord Kanmoy Bayern Tian, et de là, bien sûr, nos invités, vous allez poser quelques questions, et comme nous allons faire son émission de DSTV, elle va vous inviter à tout le rôle de table, qui va être synchronisé donc avec Maestro, et deuxièmement, c'est le comité d'accueil qui va accueillir bien sûr Bayern et qui va lui poser la question, la question au Sénégal, et sa passion en tant que femme chroniqueuse, de femme responsable, etc. etc. Et pourquoi pas ne pas créer justement un pôle en pot, comme l'émission de la place en 15 décembre avec Didier Prince qu'on avait réalisé avec Pablo. Donc pour essayer de transmettre les images, etc. etc. dans le cadre de, d'aider la jeunesse aussi, à tout l'éducatif. On appelle ça la perte de la jeunesse, voilà, des voyages organisés. Voilà, donc nous allons partir avec juste une pause musicale. Afin de laisser Maestro Lamiardé à faire connaissance avec Bayern, une grande première Marseille. Je vous rappelle donc tous les auditeurs du Swiss, tous ceux qui vous désirez d'appeler d'être bref, 04 91 08 28 15, gratuit, et peut vous faire décoller. En tout cas, avec Bayern, on va bien décoller par cette émission que dit et femme actuelle, femme africaine moderne. Y me dio tiempo, y me dio tiempo, y me dio tiempo.
Ah, d'accord.